Premièrement, je pose les sacs devant la porte et je... file mes chaussons. Alors, pour les courses, ben, je prépare. Je pense plein de gestes à adopter, à rentrer dans son quotidien comme des habitudes. Donc il faut s'y préparer maintenant. Réfléchir à la santé et pour mon retour de course. C'est vrai qu'avec ce confinement, je nettoie. Simple, ça prend du temps, c'est ça. Tous les produits que j'achète en magasin. Bien sûr, se laver les mains régulièrement, se laver les mains. De rester positif quand même sur ma chaîne. Et bientôt le déconfinement, on espère. Ça va être difficile. Je me pose la question même du déconfinement, quand les enfants vont aller à l'école, est-ce qu'il faudra laver les vêtements au fur et à mesure, chaque jour. Donc c'est tout ça que... Sachant qu'on n'a pas de vaccin, etc. C'est-à-dire qu'on va probablement avoir encore jusqu'à un an ou deux ans dans cette situation avec... j'avoue que j'ai eu des coups de blues, cette situation où il n'y a pas de vaccin, donc il faudra, on sera toujours en insécurité par rapport à ce virus. Même si, voilà, il ne touche pas... touche pas tout le monde pareil, mais ça fait tout de suite réfléchir. Il y a eu des jeunes qui sont morts, des très jeunes d'ailleurs, c'est très malheureux, mais même pour les personnes âgées, quoi, il faut quand même qu'on pense à les protéger. Regardez sur Google. Hein. Il faudra garder les distances de sécurité, il faut malgré tout ouvrir les fenêtres, hein. Prendre de l'air quand même, hein, ça fait du bien parce que moralement c'est pas facile. Maintenant c'est ce que j'ai fait, quand vous sortez les poubelles ou quand vous faites vos courses, quand vous sortez à l'extérieur, quand vous revenez à la maison, nettoyer les poignées des portes, etc. Faire un grand ménage régulier, surtout aussi ce qu'il faudra prévoir au déconfinement, c'est quand même de faire attention
à nos personnes âgées, à nos seniors, il faudra... j'ai entendu que jusqu'à 30 ans, on est considéré comme des très jeunes. Donc, vaut mieux... Moi, je pense que jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est conseillé de ne pas avoir de personnes âgées. Hein, moi qui pense, parce que je sais pas, ça change tout le temps, parce qu'on n'est pas... Au fur et à mesure du déconfinement, est-ce qu'on sera amené à voir, on sera obligé d'enlever ou de rajouter certaines choses dans nos vies. Et c'est un peu... Par rapport à ça ne veut rien, faut regarder les actualités, mais en même temps, bien être au courant de ce qui se passe et en même temps j'ai gardé quand même une outil mais une morale comme tu m'as dit courage surtout que tout se passera pour le mieux. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker, de vous partager et de vous abonner à ma chaîne.